Salut à tous, c'est Maxime, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. On se retrouve aujourd'hui sur le projet serveur Ah, ça c'est fait. On recommence. 3, 2, 1. Salut à tous, c'est Maxime, on se retrouve aujourd'hui pour le nouveau projet serveur, le nouvel épisode incroyable. Mais on se retrouve pas sur le projet serveur. Alors, vous avez dû le voir dans le titre, on est mercredi, il est 17h théoriquement, bien sûr si j'ai pas de retard à la sortie de cette vidéo. On se retrouve aujourd'hui pour vous parler du serveur. Alors, il était prévu théoriquement que ce vendredi 12 mai, à exactement 17h ou 21h dans ces eaux-là en tout cas, je fasse une bêta de serveur avec toutes nos fonctionnalités actives et qui marche en fait, hein, de voir si le serveur marche, si tout se passe bien, si le mode pack est bon. Malgré que j'ai pas le launcher, il aurait fallu s'arranger, mais voilà. Mais il s'avère que depuis hier, depuis qu'Hypierre a sorti sa vidéo, même si c'était prévu déjà depuis plus d'une semaine, avant qu'Hypierre sorte sa vidéo, on avait prévu de changer la génération du monde avec du Biome Bundle, du Open Terrain Generator et du Biome Bundle. Sauf que le problème, c'est que nos serveurs plantent actuellement parce que on sait pas d'où vient l'erreur, mais on a un plantage de partout. Nos serveurs ne veut pas générer la map, les modes sont chargés, il n'y a aucun problème, mais la map ne se charge pas. Donc du coup, les serveurs sont complètement plantés. On a des maps, on a plus de map, on a les configs qui ont été refaites parce que du coup, on a pensé que c'était notre config serveur, donc on a tout refait à zéro. Donc en gros on repart de zéro hein, si vous voulez, hein, c'est à peu près ça. Je vous montrerai un du serveur parce que bah, je vous garde la petite surprise. Mais là actuellement je peux vous dire que c'est bien la PLS. Donc je sais pas vraiment ce qui va se passer, je sais pas si je vais avoir le temps de me rattraper. Donc s'il n'y a pas de live durant les prochains jours, c'est que j'essaye de bosser derrière pour bah, tout rattraper. Hein, parce que du coup à mon avis il va falloir qu'on change carrément de système. Donc c'est très compliqué et surtout très long. Et quand on n'a pas beaucoup de temps et qu'on est en semaine et qu'il faut bosser, eh ben c'est un peu la merde, voilà. Donc niveau côté serveur, on est un peu en PLS. Niveau temps, tout ça, c'est voilà, c'est la galère. On va parler maintenant un peu économie. Bah oui, parce que vous doutez bien que le serveur va avoir besoin de vous, hein, de vos thunes surtout, pour fonctionner. Je dis ça comme un bâtard, mais c'est tellement la vérité. C'est qu'actuellement, on a Chronix qui est bien généreux et me paye actuellement la machine pour me permettre hein, de lancer le serveur. Mais après bien sûr il faut que la boutique prenne le relais très très rapidement si on veut déjà pouvoir lancer d'autres projets. Et, et en fait oui, on a surtout pas le choix quoi, parce qu'on peut pas non plus financer. Moi personnellement je peux pas financer ce serveur, cette machine. Donc il faut que bah, la boutique prenne le relais. Donc il faudra bien sûr que vous preniez le relais. Tout ça est en train de se coder par derrière, enfin sans que vous le voyez. Bref voilà. Donc je vous tiens au courant, le lien est dans la description pour Discord si vous voulez être au courant de tout ce qui se passe sur le MaxiTech pardon, on a changé, maintenant ça s'appelle MaxiTech. Pour tout ce qui va être date de bêta, en tout cas je le rappelle, la bêta se fera, elle sera annoncée en vidéo théoriquement et il y aura un message pour vous dire pour vous annoncer. Il nous faut des gens sur Discord, il faut que vous ayez un micro, il faut que vous ayez plein de petits trucs et que vous puissiez avoir un bon PC, que vous puissiez nous envoyer des logs ou des trucs comme ça. Donc voilà, il y aura bien sûr une clause à signer. Donc je sais que c'est pas une vidéo riche en contenu, mais j'avais quand même envie de vous informer. C'est la vidéo du mercredi qui est certes pas géniale, mais elle est là. Voilà. J'ai envie de vous dire à samedi pour peut-être une vidéo projet serveur. On va essayer, en tout cas je vais essayer de bosser durant les deux prochains jours pour eh bien redresser tout ça et essayer de vous faire une bêta, peut-être, allez, on va dire pour le week-end, si ça peut sortir samedi, ce sera un bonheur, mais je vous promets rien, ça c'est obligé. Et puis voilà. Allez, sur ce, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Mettez des pouces bleus, mais n'hésitez pas à commenter parce que vous êtes de plus en plus nombreux à commenter. Et franchement, n'hésitez pas, ça fait extrêmement plaisir. Surtout quand je réponds à vos commentaires. Et puis voilà, dites-moi ce que vous en pensez du projet, si vous avez une quelconque idée, un quelconque potentiel réseau de bugs ou je sais pas quoi. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires ou à passer sur Discord. J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu si vous avez aimé, un pouce rouge bien sûr si vous avez pas aimé ou détesté, hein, comme vous voulez. Et sur ce, on se retrouve dès samedi pour une nouvelle vidéo et peut-être plus de live pendant un petit temps, le temps qu'on règle ces soucis. Voilà, allez sur ce, moi je vous dis salut à tous, bye bye.